Le prince Charles a considéré Camilla, duchesse de Cornouailles, comme sa compagnon et assistante dès les années 1980, selon un biographe royal, qui a révélé le surnom taquin du prince de Galles pour sa désormais épouse. Le prince Charles appelait en plaisantant Camilla, duchesse de Cornouailles, sa Girl Friday, selon un biographe royal. Sally Bedell Smith, rédactrice en chef et historienne de Vanity Fair, a parlé au podcast Royally Obsessed de la relation du prince de Galles avec sa femme. Elle a donné un aperçu de la célèbre histoire de Charles offrant un bracelet à Camilla avant d'épouser Diana, princesse de Galles. Madame Bedell Smith a déclaré aux auditeurs, c'était un bracelet très simple, un petit bracelet en or, avec un disque bleu dessus. Ça disait juste GF et GF signifiait Girl Friday. C'est comme ça qu'il l'appelait en plaisantant. Point. Ça voulait juste dire qu'elle était en quelque sorte sa compagne, son aide. Elle a poursuivi, cela aurait pu signifier qu'elle était aussi sa fille du vendredi. Mais Girl Friday fait généralement référence à quelqu'un qui est une sorte de Jill de tous les métiers. Elle pouvait l'aider avec des choses, et elle était en quelque sorte fiable. Camilla ferait certainement l'affaire, le « GF » sur le bracelet était à l'origine censé représenter « Gladys et Fred ». Ceux-ci étaient largement connus pour être les surnoms que Charles et Camilla utilisaient l'une pour l'autre lorsqu'ils ont commencé à se fréquenter dans la vingtaine. La blague faisait référence à des personnages de The Goon Show, une série comique radiophonique britannique. Diana a parlé de la découverte du bracelet avant d'épouser Charles et de le voir comme un signe de leur relation vouée à l'échec. Cependant, Madame Bedell Smith affirme que la signification de Gladys et Fred était le fruit de l'imagination de Diana. Le biographe royal a déclaré au podcast que le cadeau était l'une des 12 que le prince de Galles avait fait à l'époque. Selon une source solide, Charles les avait offerts en cadeau à des personnes spéciales dans sa vie avant de se marier. Camilla en a reçu un, tout comme Kanga Tryon, avec qui il a également eu une petite aventure.